Ça va les amis, tranquille. Aujourd'hui on est dimanche. Et qui dit dimanche? Brocanche. Brocanche. Alors, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Finalement, il y en a deux. Mais en fait, elles sont assez loin, entre guillemets. Elles sont à Gruissan. Et à l'origine, on n'avait pas prévu d'aller à Gruissan. Mais vu qu'il fait très beau, enfin, ça bouge dans tous les sens. Vu qu'il fait très beau aujourd'hui, normalement, on attend un ressenti de 38. Je vous l'ai dit hier. Voilà, un ressenti de 38. Donc on va aller faire la brocante, on va aller faire un petit pique-nique à la plage. Donc aujourd'hui ça sera brocanche et nature plage. Pas naturiste, hein. Pas la plage de naturiste. Si tu t'attends de la plage de naturiste, il n'y en aura pas. Voilà. Bon bref, c'est parti. Nous nous retrouvons après ces deux petites brocantes. Petites, non, ça va. Elles étaient raisonnables, mais petites pour nous, pour notre trouvaille. On a trouvé... Laisse-moi être ironique un peu. On a trouvé trois tasses, deux verres, un gros livre. C'est tout. Et un pull Disney pour Aya. Et un pull Disney pour Aya. On vous montrera ça au retour à la maison. Donc là, tu peux l'entendre, on est à la plage. On a changé de plage, on s'est mis à la plage des Aiguades. C'est agruissant, mais vu le monde qui allait de l'autre côté là-bas, on s'est dit c'est mort, on n'ira pas, il y aura trop de monde. Donc là, on est tranquillou sur une plage où il n'y a pas grand monde. Voilà, et ça sera sûrement notre dernière baignade de l'année. Donc comme je vous ai dit, hein, normalement 38 degrés, ils annoncent en ressenti 27. L'eau, je ne sais pas, les enfants sont déjà dedans. Ouais, pique un peu, c'est un peu frais, mais ah ça ouais passe. Bon, ouais. Mais ce sera sûrement la dernière baignade. Je pense, oui. De l'année. Ouais, mais moi aussi tout à l'heure il me suivait.
Y'a personne. Y'a personne. Y'a personne. Dernière baignade de l'année. Là. Oh non, avec mes cheveux blancs. Hein. Ah là, quand j'ai les cheveux comme ça, c'est noir. Eh, quand je dis que t'es yeux. Bref, retour de Brocanche. Arrête, tu me déconcentres. Oui, t'es con, il centre, je sais pas, mais... Je vais te frapper. Oh oui. Non, je vais pas te frapper. Oh oui. Frappe. Bref, Allez. Mais tu me déconcentres. Je vais vous montrer une réception de cette semaine. Voilà, il y a un petit... Ça arrête des neiges. C'est ça, Adélia qui le dit. J'ai un... En fait, j'arrive pas à me concentrer quand il y a quelqu'un qui me regarde. Donc c'est un porte-savon, merci Noé the Jedi. Noé la Jedi, je crois, si je me rappelle bien, sur Instagram. Je vais confirmer en écriteau, voilà. Donc merci pour cette petite trouvaille, tu as trouvé ça en brocante, donc, comme tu m'as dit. Voilà, porte-savon Pocahontas, je le trouve trop stylé et... Et je trouve que ça va très bien avec nos tirelires en... Bah, c'est une sorte de plastique, voilà, bref. Retour de Brocanche. Tout ce qu'on a, c'est Corinne qui l'a trouvé. Bah ouais, heureusement. Faut remettre à César ce qui... à César. Ce qui appartient à César. c'est elle qui a tout trouvé, mais elle veut pas être dans la vidéo. Non, j'ai une sale tranche. Bon, après je m'en bats les kikés. Bah comme d'hab, quoi. Mais va te faire mettre. On va les signer les papiers du divorce, je te le dis, moi. Y'a quoi de d'habitude? Ouais, alors, attends, les abonnés, ils ont pas le droit de te voir, mais moi j'ai le droit de te voir tous les jours, quoi. Tu mets dans le... et tu fais la merde. Donc, on a trouvé deux petits verres comme ça, les petits verres à moutarde, Amora, hein, de toute façon, je crois qu'il n'y a que Amora qui les fait. Bah, en fait, c'était 2 euros avec les deux tasses que je vais vous montrer. Donc, c'est pour ça, donc à la Winnie. Et à la Cars. On va pas les casser. Et en fait, la dame nous a fait un lot avec ses deux petites tasses Winnie. Bon voilà, 2 euros le tout. Techniquement, c'est pas non plus notre collection préférée. Hein. Winnie, vous savez, on l'a déjà dit. C'est pas. Voilà. On aime, mais sans plus. C'est des drogués en plus. Ça a été prouvé. On s'en fout. Ça fait deux autres tasses, je sais pas, on va les mettre. Mais... Et voilà, je sais plus, il n'y a pas de transition. On a trouvé sur la même brocante ce magnifique, le plus grand alphabet. Tu peux voir la taille, hein, le truc il est immense. Voilà, hein, donc tu vois, il fait la moitié de moi. On est à 2 euros, on l'a trouvé. À 2 euros, le plus grand alphabet du monde, donc il se présente. 1989. Bon, il est. 86. Ah, 86, je savais plus. Non, édition. Alors, octobre 89. L'édition octobre 89. Voilà, donc il est pas mal abîmé. Il y a des belles illustrations à l'intérieur et tout, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le. Ça, Walt Disney. Je trouve très beau. Donc Corinne, sais pas si elle va le mettre dans la salle de jeu. Si, mais je vais pas laisser apporter des enfants, mais on va l'utiliser avec les petits, oui. Pour l'alphabet, ça va être pas mal. Sinon, ce qu'il faudrait faire, il faudrait quasiment essayer de le... Mais on pourra pas le plastifier entièrement. Non, mais il faut déjà le réparer avant que je l'utilise. Ouais, voilà. Et cette magnifique tasse. Mais tous les week-ends, en ce moment, on trouve des pépites quand même. Hein. Non, la semaine dernière. La dernière, c'était quoi? Celui des tirelires. Ah, les tirelires. C'était la semaine dernière? Oui. J'ai un doute. J'ai un doute, moi je perds la mémoire, de toute façon je commence, oui, dernière photo, c'est quoi, je commence à perdre la mémoire. Bref, ouais. Cette magnifique petite tasse mode vintage Cendrillon. Je suis en train de m'étouffer avec ma propre salive. Trop belle. Elle est magnifique, hein. Donc normalement, techniquement, je vous fais un petit close-up. Hashtag YouTuber. Donc voilà, c'est made exclusively for the Walt Disney Company. C'est une collection vintage qu'on cherche sans chercher, en fait. Bah si, moi j'ai voulu, mais la nana
Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on cherche sans chercher. Sur Best Market, il y en avait 6. La meuf, elle me fait, ouais, c'est 15 euros la tasse. Non, mais à Disneyland, même à Disneyland, on les a pas à 15 balles. Mais pourquoi tu parles derrière la caméra et parce qu'en fait, hier, elle m'a agacé la nana. Donc voilà, donc t'as entendu, je le répète face caméra, parce que tu l'entends derrière, je sais pas si on l'entend bien. Il y a une fille qui habite dans notre village qui vend des tasses et elle vendait les tasses 15 euros la tasse. Donc Henri a dit bah non, moi c'est le lot 15 euros. Il a fait non, mais c'est bon. Mais oui, mais ce que tu vois pas, c'est que même à Disneyland, ils sont même pas à 15 euros les tasses. Et là, c'est une vintage que tu peux, que tu vends. Voilà, ça. Mais bref, on l'a payé 1 euro. Oui, 1 euro cette petite tasse. Et c'est vrai que cette collection, je l'aime bien, elle est sympa. Elle est trop belle. Je sais pas si on en a d'autres. Non, j'ai regardé, il y en a pas. Donc on en a pas d'autres. Voilà, de chez Cendrillon. Et on n'en avait pas de Cendrillon. Ah si, on en avait une de Cendrillon. On n'avait qu'une qu'on a trouvée à Nose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est trop belle. Voilà pour ce qui était de ce petit retour de brocanche, de tarte aux pommes. Petit retour de tarte aux pommes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo nature brocanche t'aura plu. Hein, j'ai essayé de faire en sorte que vous ayez des belles images de la plage, ça fait du bien. Bon, je crois qu'on a pris même tous un coup de soleil, voilà, tellement il a fait chaud. De quoi ? Rien. Bref, je vous dis peut-être à demain si tout va bien. Pouce bleu, tout ça comme d'habitude. Tchou !